Les éliminations d'Arthur Rimbaud. Pourquoi? Parce que c'est de la vie, pas parce que j'ai du talent ou du génie, non, d'autres, ah non, pour dire Rimbaud, pas moi. Mais simplement parce que j'aime ça. Et que plutôt que de le dire seul chez moi, en faisant quelques accords sur un piano, au hasard, parce que les textes de génie facilitent la création, juste le dire et puis le partager ensuite sur ma page. Parce qu'après tout, si tout le monde ne lit pas les illuminations, là, juste après le déluge, pourquoi ne pas partager plutôt que de lire seul, à voix basse, dans sa tête ou à voix haute? Aussitôt que l'idée du déluge se fut assise, un lièvre s'arrêta dans les cinq foins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Oh, les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà. Dans la grande rue sale, les étals se dressèrent. Et l'on tira les barques vers la mer, étagées là-haut, comme sur les gravures. Le sang coula chez Barbe Bleue, aux abattoirs, dans les cirques, où le sceau de Dieu blêmit les fenêtres. Le sang et le lait coulèrent. Les castors battirent, les mazagrans fumèrent dans les estaminets, dans la grande maison de vitres encore ruisselante, les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images. Une porte claqua, et sur la place du hameau, l'enfant tourna ses bras. Compris des girouettes et des coqs et des clochers de partout sous l'éclatante giboulée. Madame établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières communions se célébrèrent aux 100 000 autels de la cathédrale. Oh, les caravanes partirent et le splendide hôtel fut bâti dans le chaos de glace et de nuit du pôle. Depuis lors, la lune entendit les chacals piaulant par les déserts de thym et les éclogues en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette bourgeonnante, Eucharis me dit que c'était le printemps. Souris étant, écume roule sur le pont et par-dessus les bois. Bras noirs et orgues, éclairs et tonnerres, montez, roulez. Eau et tristesse, montez, relevez les déluges. Car depuis qu'ils se sont dissipés, oh, les pierres précieuses s'enfouissant et les fleurs ouvertes. C'est un ennui. Et la reine, la sorcière, qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait et que nous ignorons.